Ok, donc sur la partie Sofacto, je vais juste Dis-moi. commencer par vous présenter quelques slides, puis je laisserai la main à François pour faire la démonstration. Après, on laissera la main à Edouard sur la partie Gonexa. Du coup, la majorité d'entre vous, je dirais, nous connaissent Sofacto pour notre savoir-faire plutôt en matière de facturation, mais aujourd'hui, on va axer notre intervention vers notre seconde brique, le paiement en ligne. J'ai déjà fait un petit tour des chambres de manière spécifique sur le sujet. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de mutualiser les informations. Du coup, si vous avez des questions, je vous prie de les poser, hein. Ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Il ne faut surtout pas hésiter. Du coup, pour commencer, un petit aperçu sur la situation actuelle de notre partenariat entre Sofacto et CMA France. Donc, sur la partie uniquement de la facturation, on compte actuellement plus de 1100 licences Sofacto App qui sont déployées pour aider les agents. Au quotidien dans leur tâche de mise en facturation. Par rapport à l'année dernière, parce qu'on était déjà intervenu lors de l'ancien comité de pilotage l'année dernière, comme avancé, la Bretagne nous a rejoints au mois de janvier et la semaine dernière, on a activé les licences pour la CMA Martinique. Donc ça porte aujourd'hui le total des chambres à 6 et on attend des progrès, notamment du côté de la Réunion avec qui on doit valider un planning de déploiement des licences. Et CMA Hauts-de-France, avec qui on doit s'aligner sur un projet parallèle SAP dans le futur. Après, il y a d'autres choses encore, hein, de belles perspectives avec de nouvelles chambres. On a commencé sur un périmètre restreint en Auvergne-Rhône-Alpes et maintenant on en est là, donc c'est plutôt super. Juste petit aparté, la suite à cette réunion-là, je vais vous envoyer à tous une copie de notre roadmap et du contenu des releases qui vont arriver. Parce que là, je ne l'ai pas intégré pour des raisons de temps. Tout ça pour vous dire qu'on poursuit le travail sur les sujets qui sont liés à la facturation électronique et qui devraient rentrer en vigueur. Il y a des nouveaux développements qui sont en cours et qui sont à prévoir de notre côté. Donc, je vous enverrai tout le détail à la suite de l'intervention. Seconde étape, le cœur du sujet d'aujourd'hui, donc la brique de facturation, la brique de facturation, la brique de paiement, pardon. Qui sera le cœur de notre démonstration. Donc, on a d'ailleurs réalisé hein, des super projets, des super progrès avec CMA Nouvelle-Aquitaine et CMA Auvergne-Rhône-Alpes concernant la brique de paiement. Là, on vient justement de contractualiser avec CMA Nouvelle-Aquitaine. Comme l'a dit Marie en préambule de la réunion, je vous présenterai rapidement le projet sur lequel on souhaite les accompagner et ça pourrait vous aider aussi à vous projeter sur. Ce qui est possible de faire avec la brique de paiement Sofacto. Et cette même brique est en test sur l'org Aura, juste à titre d'information. Donc, depuis plus d'un an, on fait Excuse-moi, partie d'un Youssef, groupe qui s'appelle c'est Deliver Emmanuel là. Plus. Excuse-moi, Ouais. ouais, c'est Emmanuel. Si elle est en test chez nous, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour la regarder, c'est qu'on va l'utiliser. Voilà. Ouais, On j'ose va espérer l'utiliser pour. pour l'instant, Voilà. c'est en test. Ouais, mais en gros, on considère qu'elle est utilisée en prod dans un mois et demi, et puis sur le site web en octobre. Voilà. Ok. Très belle intervention, Emmanuel. Merci. Du coup, parmi les membres du groupe, pardon, je reprends, nous-mêmes Sofacto, donc nous, on est des spécialistes de la facturation Salesforce et on profite de la plateforme Salesforce. Et également dans le groupe, on a une société qui s'appelle Repay, donc qui est un prestataire de services de paiement et qui est le leader d'ailleurs dans les pays scandinaves, qui dispose de son propre back-end. Donc, Repay génère des fenêtres de paiement. Ou en tant que client final, on rentre ses coordonnées bancaires, par exemple, et propose une console d'administration pour paramétrer, faire le suivi de l'activité de ce qui s'est passé sur les fenêtres de paiement. OK? L'idée étant de faire une alliance technologique pour pouvoir aligner les deux solutions, pour qu'à terme, grand 1, on puisse proposer le règlement en ligne depuis une facture émise dans Sofacto, et grand 2, en sens inverse, proposer d'émettre une facture depuis un paiement qui a été effectué en ligne. En théorie, c'est pas plus compliqué que ça. Et ça a pour but quoi? De faciliter le paiement des prestations et surtout de pouvoir constater plus rapidement le règlement d'une offre qui aura été faite dans Sofacto. Donc ça améliore le suivi. Admettons que je sois un client Sofacto, je veux installer la brique sur mon org existante. La question, c'est quel impact l'installation du module va avoir sur mon org. François vous le montrera bien mieux en démonstration, mais dans les grandes lignes, ça va se résumer pour l'utilisateur à l'ajout d'un champ qui s'appelle URL de paiement en ligne
et qui va générer un lien automatiquement dès qu'on choisit paiement en ligne en méthode de paiement. Après le lien, on peut en faire ce qu'on veut, le mettre sur une facture, l'envoyer à un client, etc. Sur la question de l'intégration, il faudra compter une journée d'intégration pour la partie je facture, puis je fais payer en standard. Sur la partie je fais un paiement sur un site vitrine, puis je facture, là c'est un peu différent, ça sera plus spécifique et c'est en test cours de validation chez nous. Ok. Donc pour cette brique de paiement, on a été sollicité, comme je l'ai dit, par CMA Nouvelle-Aquitaine pour leur projet. On a été en compétition avec d'autres éditeurs et on a finalement été retenu. Je vous remercie. Et on est encore au premier stade, hein, à l'étape de définition des plannings. Mais en théorie, voici les quatre volets sur lesquels nous, on prévoit de les accompagner sur de la transaction CB pour l'instant. Premier volet, le paiement depuis Sofacto. Donc, tout simplement, c'est le paiement depuis la facture. Donc, le lien de paiement est inclus dans la facture et on va l'envoyer par email et il sera accessible sur le portail client du site internet de la chambre. On peut imaginer sur le site un onglet comme facture en attente où moi je suis un artisan, je consulte ma facture. Une fois le paiement effectué, les factures seront redescendues dans un autre onglet comme facture soldée par exemple et l'information sera remontée dans Sofacto pour passer la facture en totalement réglée. Seconde brique. Le paiement direct depuis un site e-commerce. Donc là, on finalise les tests sur l'intégration du système, vous l'avez compris, donc du coup en sens inverse. L'idée étant de permettre aux artisans de payer les prestations ou des services directement depuis un catalogue produit en ligne sur le site internet. Ils remplissent un panier, ils valident, ils payent, classique. Et là, le challenge pour nous, ça va être de créer avec les informations de paiement, en fait, une facture qui est légalement conforme. Avec les informations qui seront montées dans Sofacto. François va vous montrer cette partie-là également. La mobilité avec une flotte d'agents. Donc, dans le cas où la chambre prévoit de déployer une flotte d'agents qui vont se rendre directement chez les artisans, on va proposer l'option de QR code qu'on génère sur la facture. Là, l'artisan le scanne avec son smartphone directement sur place et peut le payer en ligne en rentrant ses coordonnées CB accompagné de l'agent qui sera sur place. Et dernier point du paiement en ligne via des ventes téléphoniques. Là, la CMA souhaite mettre en place une cellule de prospection. Donc, le projet est d'intégrer en fait dans un SMS qui sera envoyé depuis Salesforce le lien de paiement qui sera consultable par l'artisan. En ligne, quand je dis en ligne, je parle au téléphone. Bien que l'envoi du SMS, hein, je le précise, c'est une fonctionnalité Salesforce et ça ne sera pas chez nous, mais on va quand même y intégrer donc du coup le lien de paiement qu'on aura généré pour que l'artisan puisse le consulter et payer directement la prestation alors qu'il est encore en ligne avec l'agent qui fait partie de la cellule de prospection. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là ou est-ce que je peux passer la main à François pour la démonstration de tout ce que j'ai évoqué? Marie, je vois pas s'il y a des mains qui se lèvent, donc Non, il n'y a pas de question. La démo, la démo. Allez hop, la je vous démo. vois. Ok. Bon, vous voyez mon écran? Oui, Oui. absolument. Okay. Allez, on commence. Du coup, pour cette démo, trois études de cas. La première étude de cas, c'est notamment ce qui a été signé par la CMA Nouvelle-Aquitaine, et c'est ce qui a été bien paramétré pour justement notre environnement sandbox dans lequel je suis sur la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord? Donc là, moi, je vais me poser en tant qu'agent de la CMA, qui a donc un compte Salesforce, qui va créer un compte entreprise artisan, créer une opportunité, et par la suite une facture. Sur cette facture, je vais pouvoir y mettre justement un lien de paiement qu'on va traduire en QR code. Et cette facture, elle sera envoyée au client pour qu'il la paye, soit en cliquant directement sur le QR code, soit en se rendant sur un site, donc là, Experience Cloud, qu'on a simulé pour que le client se rende sur son espace, consulte cette facture qu'il doit payer, se rend dessus, les paye, et vous avez toute la remontée d'informations, vous savez quand le paiement a été fait. Ça, c'est le premier cas, et après, on va passer aux autres cas au fur et à mesure, mais ça, c'est le cas le plus simple, et il avait déjà été présenté globalement dans le passé, je ne me rappelle plus quand exactement, mais ce n'est pas très grave.
Donc, je me rends ici sur mon environnement de la CMA Auvergne-Rhône-Alpes, donc la sandbox. J'écris au préalable le compte, ici l'artisan pâtissier, dans lequel j'ai aussi créé donc l'opportunité. Donc là, je me rends sur l'opportunité, opportunité autre dans lequel l'artisan pâtissier était en fait intéressé pour un accompagnement, un contrat d'artisanat. Cette opportunité, donc, je peux la close one, donc la fermer gagnée en français, et j'aurai mes boutons dynamiques qui vont apparaître en haut avec ce facto. Soit je peux directement réaliser un abonnement, ça, on verra ça plus tard, mais je peux facturer cette opportunité. En facturant, donc, pour les utilisateurs de Sofacto qui sont présents ici, vous savez, vous connaissez le mécanisme, on appuie sur facturer, on est redirigé sur l'objet facture avec toutes les informations qui me conviennent. Et là, je peux justement y ajouter ce que Youssef vous avait parlé juste avant, c'est-à-dire changer le mode de paiement, en l'occurrence, là, parler pour un paiement one shot et générer un lien de paiement. Et j'enregistre en rajoutant l'antenne de facturation aussi pour les CMA. Moi, je me mets en haut de sa voix pour cet exemple. Donc, je renseigne ici mon mode de paiement. J'ai aussi d'ailleurs rajouté le délai de paiement, sinon je vais avoir une erreur lors de la génération. Et comme vous avez vu, j'ai aussi mon lien donc qui arrive automatiquement. Ce lien, c'est donc le lien de paiement qui est récupéré en faisant un appel sur notre backend de paiement. D'accord? Donc notre plateforme de paiement qui est Bilver Plus Payment. Si je clique sur ce lien, on verra que je suis redirigé ici sur ma fenêtre de paiement où je peux renseigner du coup mon numéro de carte pour payer mes 307,20 euros ou alors renseigner mon SEPA. D'accord? Ma facture, à quoi elle ressemble dans cet environnement? Si je fais créer PDF, je vais donc voir ma facture qui s'articule comme ceci en récupérant en fait les templates qui ont été faits notamment par Biscor. Dans lequel moi j'ai simplement rajouté le lien de paiement mais traduit en QR code. Comme ça, l'artisan il peut directement flasher le QR code et il sera en fait redirigé sur cette fenêtre de paiement. Donc on voit bien que ce lien, on en fait ce qu'on veut. Soit on l'intègre directement sur la facture, soit on le traduit en QR code, soit on met les deux, soit on l'envoie par email. Ou alors, ici dans notre exemple, on peut supposer que cette facture soit à disposition de l'artisan sur sa plateforme CMA pour qu'il puisse réaliser le paiement lui-même. C'est le cas là, donc là la facture 583. Je vais sur mon générateur d'expérience où j'ai généré ici mon expérience cloud, un menu qui ressemble sûrement à un de vos menus, et l'artisan a accès à ses factures en attente, ses factures payées. Et sur ses factures en attente, eh bien, il va retrouver sa facture 583, soit en cliquant aussi d'ailleurs sur le lien de paiement pour pouvoir faire son paiement. Ou alors il peut directement consulter sa facture ici, si ça a eu le temps de charger. Voilà. Il va revoir sa facture et il va pouvoir procéder au paiement. Donc encore une fois, soit en cliquant sur le lien, soit en flashant le QR code. Donc là, ma facture, elle a été émise. Je suis donc en attente du recouvrement, le règlement qui n'a pas été fait, encore une fois. Donc ce que je vais faire, c'est me rendre sur mon lien, renseigner mon numéro de carte. Et donc pouvoir faire le paiement. La fenêtre que vous allez voir apparaître ici, c'est pour pouvoir faire la 3D Secure, donc quand vous recevez une notification sur votre téléphone et pouvoir procéder au paiement sécurisé. L'achat a bien été fait, ma facture a bien été réglée, c'est-à-dire que directement dans Salesforce à 100%, on peut vraiment suivre donc la créa de la génération du lead jusqu'à au paiement de la facture et donc même par la suite la récupération de l'argent, car on sait en théorie quand la facture a été payée, le recouvrement a bien été fait pour cette facture-là. Ça, c'est donc un exemple concret de ce que la CMA Nouvelle-Aquitaine a donc fait acquisition et c'est aussi ce que la CMA Auvergne-Rhône-Alpes fera l'acquisition, si tout se passe bien, c'est de ce que j'ai compris, d'ici 1 à 2 mois. Cas qu'on avait déjà vu dans le passé. Maintenant, on va aller un peu plus loin. C'est pouvoir automatiser ça, mais à partir d'un site e-commerce. Donc là, c'était notre scénario numéro 1. Scénario numéro 2, c'est un client qui se rendrait directement donc sur votre site. Là, j'ai pris un site WordPress parce que c'est notre environnement de démonstration. D'accord? Il va se rendre sur un site WordPress, il va sélectionner le produit qui l'intéresse, rentrer ses informations, procéder au paiement. Toutes ces informations vont donc du coup se reverser dans Salesforce
et du coup, génération de la facture, et on saura que la facture sera bien payée pour le coup. OK? Donc, je vais procéder à la démonstration de ce scénario 2. Donc, mon site WordPress, qui graphiquement n'est pas terrible, mais ce n'est pas là l'objet, c'est que je suis ici, je suis intéressé pour gérer ma trésorerie, je l'ajoute au panier, ainsi que prospecter, fidéliser ma clientèle. Je vais voir mon panier, je peux rajouter un code promo si je le souhaite, je valide ma commande, et là, je vais renseigner donc mon prénom, François. Je vais faire des bougies. Hop. En France. Donc là, c'est classique site e-commerce. Et tout ça, vous n'êtes pas obligé de mettre d'ailleurs enfin, toutes ces informations-là. Il peut y avoir des informations en facultatif. Et là, c'est François. En base. Voilà, j'ai mis mon adresse, je sais ce que je vais payer, je vais donc faire commander, et là, à partir de ce moment-là, je suis automatiquement redirigé sur la même fenêtre que je vous avais montré, donc renseigner ici ma carte bancaire, pas le SEPA, parce que là, je suis sur un plugin WooCommerce, et le nôtre ne propose pas le SEPA pour du paiement one shot, il le proposera pour de la récurrence. Je repasse mon challenge et à partir de ce moment-là, donc toutes les informations que j'avais fait donc et de la démonstration que je vous avais fait en amont, tout ça va être récupéré pour être retranscrit automatiquement dans Salesforce. Donc là, l'agent de la CMA, en gros, n'a pas grand-chose à faire. C'est vraiment du self-service qui est fait avec le site e-commerce et l'artisan qui fait sa commande. OK? Et par la suite, d'ailleurs, le client peut se rendre aussi sur son espace Experience Cloud ou alors encore son site e-commerce et avoir accès à ses factures et voir ce qu'il a payé aussi. C'est complètement possible. Donc, dans mes comptes, si tout s'est bien passé, j'ai donc mes merveilleuses bougies qui ont bien été créées aujourd'hui. À mes merveilleuses bougies est associé mon contact François Trobentard. Une opportunité, donc en cliquant, on va avoir mon opportunité qui va ressembler donc bien mes deux produits qui sont automatiquement reversés dans Salesforce. Et évidemment, la facture qui a bien été générée et émise dans Salesforce. On sait notamment qu'elle a bien été déjà été payée. Donc là, on a eu vraiment une étude de cas complète où l'artisan se rend donc sur votre site web pour procéder au paiement d'un point de vue e-commerce. Et donc, on génère bien la facture, le règlement est fait et tout fonctionne. Donc, tout ça, ce que je vous montre, nous, on a encore deux, trois petits réglages à faire. La mise en prod pour ça doit être fait pour normalement courant été, donc août-juillet, en étant optimistique. D'accord? Ça, c'était les cas, donc l'étude de cas numéro 2. Dernière étude de cas, on n'a vu que du one shot. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi de la récurrence, parce que Sofactor, ce n'est pas uniquement que de la facturation à la demande, c'est aussi de la facturation récurrente. C'est-à-dire que là, je vais me repositionner dans la peau d'un utilisateur de la CMA, qui va donc ajouter une méthode de paiement d'un des clients, notamment par exemple pour le pass CMA. Et on va pouvoir créer un abonnement avec des factures récurrentes qui vont arriver et qui vont être émises et prélevées au fil de l'eau. Donc, pour une facture qui sera émise aujourd'hui, elle sera aussi prélevée aujourd'hui. Et ça sera comme ça, si on part sur un rythme mensuel, tous les 19 de chaque mois, il y aura le prélèvement et la facture qui sera émise. OK? Donc, démonstration et fin de démonstration Sofacto par la suite. Je vais donc. Sur un compte, j'avais créé Birbio, donc ici un artisan qui fait de la bière bio, et qui serait donc intéressé pour récupérer un pass CMA. Donc, à la différence de ce que vous avez sur vos organisations, nous, on a deux liens, on a deux champs supplémentaires qui apparaissent, enfin un champ supplémentaire et une liste associée. On peut donc directement générer ici un lien de prélèvement pour le compte. Ce lien de prélèvement, donc, il va apparaître ici, il apparaît ici dans le petit carré vert, mais je vais faire
rafraîchissement pour pouvoir cliquer dessus par la suite. Donc, on a notre lien qui apparaît ici. On arrive sur la même fenêtre que je vous avais montrée, sauf que là, c'est pour enregistrer un lien de paiement. Je vous ai fait deux fois les démonstrations avec la carte bancaire. Là, j'ai voulu le faire avec le SEPA pour vous montrer la mécanisme. Donc, j'ai mon SEPA qui est ici. J'appuie sur Continuer. Redirection sur un de nos partenaires pour pouvoir faire de la vérification de l'IBAN en question. Donc, le Setink qui va vous permettre une connexion à la banque et vérifier le compte bancaire qui est utilisé. Comme ça, on est sûr que l'IBAN qui est utilisé ne sera pas un IBAN alterné ou alors un IBAN d'une autre personne, etc. On a la certitude que cet IBAN appartient bien à la personne à qui on l'a envoyé ou la personne qui a bien cliqué le lien, en tout cas, pour renseigner ces informations. Donc, je prends mon compte, je clique sur Continuer. Et donc là, hop, je vais mettre un nom. Je mets mon nom, je mets mon pays et on voit bien que ici mon IBAN n'est pas alternable et donc ça se dit alternable, oui, je pense. Donc mon IBAN n'est pas modifiable et donc c'est bien cet IBAN-là qui sera renseigné et qui sera donc prélevé par la suite. Je continue. Rediriger ici sur notre partenaire Pipro pour la génération du mandat SEPA. Le fait de faire accepter ici, ça sera gage ici d'acceptation et de dire OK, j'accepte qu'on me prévienne sur cet IBAN ici de façon récurrente la somme qui sera associée. J'accepte et du coup, ici, automatiquement, les détails sont transmis directement dans Salesforce. Donc, je reprends mon compte, je rafraîchis. Dans mon nouvel objet PSP méthode de paiement, j'aurai donc un nouvel objet et donc un nouveau champ qui sera renseigné. Ici, pour le compte Birbio, la PSP numéro 3 qui est du prélèvement SEPA à un état actif. Vous pouvez désactiver à tout moment la méthode de paiement si les méthodes de paiement, par exemple, ne se passent pas comme il faut. Si vous vous rendez compte aussi que si c'était une carte bancaire, la carte bancaire a été volée, et qu'il y a eu une demande d'opposition, etc. Ici, vous pouvez avoir la main. Vous avez aussi tout le temps la main sur le mandat. Vous pouvez toujours voir le mandat et voir ce qui a été accepté, notamment avec la personne qui a accepté le prélèvement SEPA. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc mon compte, ma méthode de paiement. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est associer cette méthode de paiement à la récurrence des factures. Donc, j'ai une opportunité que j'avais créée au préalable. Je vais, comme avant, la faire clause gagnée. À la différence donc de mon exemple précédent, je vais pouvoir faire ici l'abonnement. L'abonnement ici va dire OK, quand est-ce que je commence mon abonnement? Quand est-ce que je commence ma facturation? Quand est-ce que je souhaite qu'il s'arrête? Tout ce que je fais ici, et il en va aussi de toutes mes actions manuelles dans les actions passées, c'est évidemment automatisable et à voir avec vos administrateurs Salesforce ou aussi avec Bizkor. Périodicité ici mensuelle. Terme de facturation à échoir. On souhaite payer avant de proposer le service. Je crée mon abonnement, redirigé sur notre objet abonnement avec les mêmes informations. Donc ici, mon pass CMA, mon produit d'opportunité se transforme en poste d'abonnement. J'ai ici mes options de ma récurrence et là je vais dire OK à cet abonnement, je souhaite payer de manière comptant, mode de paiement récurrent. Et quand je mets le récurrent, ici je vais pouvoir y associer la PSP que je viens de renseigner juste avant. Donc là, nous on l'a appelé PSP, c'est pas vraiment une PSP mais c'est une méthode de paiement. Le jour de prélèvement, on est le 19, c'est ça? Oui, c'est le 19. Donc, je renseigne le 19. J'enregistre. Mon abonnement ici est prêt à être activé car il était encore à l'état de brouillon, comme pour une facture. Donc, si l'abonnement est à l'état de brouillon, on peut faire encore plein de modifications dessus. On peut activer l'abonnement, on peut le mettre en pause, on peut le terminer. Je génère l'échéancier, donc je génère l'ensemble de mes factures. Et là, donc, automatiquement, l'ensemble de mes factures sont générées. Donc, à l'état de brouillon, à partir de la date d'aujourd'hui, pour une durée d'un an,
et elles vont être émises donc tous les 19 de chaque mois. En prenant donc ma première facture, donc là on revient exactement sur le même objet que je vous avais présenté juste avant. Ici, je vais renseigner l'antenne, on va rester en Haute-Savoie, et on va mettre un état émise de la facture. On sait que cette facture est associée donc à notre méthode de paiement, ici notre CEPA. On sait que le prélèvement va se faire le 19. Moi, je vais forcer ce prélèvement pour pouvoir faire la démonstration en direct. C'est un batch donc qui va tourner. Vous, ce batch, vous le faites à partir des classes APEX planifiées. Vous allez dire OK, un batch, c'est donc un petit morceau de code qui va tourner et qui va dire est-ce que j'ai des factures qui sont en paiement récurrent, qui sont émises, qui ont une date de prélèvement aujourd'hui, avec une méthode de paiement dont l'état est actif. Si toutes ces conditions sont remplies, alors ma facture va être automatiquement prélevée par la suite. Et c'est comme ça que le prélèvement automatique se fait avec Sofacto et avec le CEPA et la carte bancaire. Donc là, le recouvrement n'est pas encore passé. Des fois, le batch, il va mettre 30 secondes. Des fois, il va mettre 1 minute, 2 minutes. Là, ça s'est fait assez rapidement. Ça s'est fait en 30 secondes quasiment. Donc voilà. Fin de la démonstration par rapport à tout ça. On a vu trois études de cas, donc plutôt différentes, pour respecter aussi vous ce que vous attendez. Donc moi, j'ai terminé par rapport à tout ce que je vous ai montré. Je vais donc passer la main à Youssef ou Edouard, je ne sais plus. Peu importe, ouais, je peux faire un petit peu de teasing en fait avant qu'Edouard prenne la main. Vas-y. Ouais, l'idée c'était de dire qu'on avait été invité ce jour pour une bonne raison, que c'est parce qu'on vient de finaliser un partenariat en fait entre nos deux structures, Gonexa et Sofacto, qui sommes tous les deux donc du coup des experts de l'écosystème Salesforce. L'idée étant de pouvoir proposer aux clients Sofacto, en fait, une personnalisation un peu plus poussée de leur template de facture et également de pouvoir faire signer électroniquement leurs documents, facture, mais pas que, pour assurer un suivi dans la réception des factures de leurs clients. Mais c'est un peu de teasing, donc je vais laisser Edouard l'expliquer, il l'expliquera mieux que moi et vous allez comprendre en quoi ça pourrait être bénéfique pour les utilisateurs Sofacto. Merci Est-ce pour qu'on peut cette poser une petite question avant ou pas? introduction. Je crois qu'il y a une main levée justement, donc je vais laisser la main après Célia sur la question. Merci beaucoup. Alors peut-être que c'est des sujets que vous allez traiter par la suite. J'ai deux questions par rapport à ce qui a été présenté sur Sofacto. La première, c'est sur la gestion des impayés. Si on est dans le cadre d'un abonnement prélevé automatiquement de façon mensuelle, par exemple, comme vous l'avez présenté. Un client qui ne paye pas, est-ce qu'on a une alerte? Est-ce que le prélèvement est représenté automatiquement? Oui. Comment ça se passe? Alors le prélèvement, tout ça va être en relation avec notamment le partenaire financier que vous allez avoir. Donc si vous voulez à chaque fois refaire des tentatives de prélèvement à partir d'un certain temps aussi, parce que ça peut être fait dans la foulée, ça peut être fait à partir d'un jour ou alors vous voulez ne pas retenter cette opération. Donc ça c'est une option, c'est vous qui choisissez par rapport à ça. Mais tout ce qui concerne les relances par rapport aux impayés, c'est un peu du paramétrage que vous avez déjà actuellement, donc avec les factures qui sont générées. Nous, vous avez la possibilité de faire donc des relances automatiques et on fera les relances à partir du moment où la case à cocher, donc en attente de paiement, n'a pas été cochée en l'occurrence. Donc il y a bien la relance qui se fait si le paiement n'a pas été perçu. D'accord. Et ça peut mettre une information dans la fiche client, peut-être d'un paiement en souffrance qui s'afficherait directement dès l'accueil sur la fiche client? C'est-à-dire, il y a eu tentative de prélèvement, ça n'a pas été fait. Pas Et on a forcément une alerte. tentative de prélèvement, mais une facture impayée. Est-ce qu'on a une information qui peut apparaître sur la fiche de façon à ce que nos équipes aient cette vigilance et ne repropose peut-être pas d'autres prestations ou d'autres devis Ah aux oui, bien clients sûr. si on est en souffrance de paiement. Bien sûr, bien sûr. Ça, vous pouvez rajouter l'information au niveau du compte ou au niveau de la facture, il n'y a pas de problème. D'accord. Et une C'est dernière du côté question. Salesforce, hein. Pardon. On peut le gérer sans problème. OK.
Et une dernière question sur les factures, donc sur la partie abonnement, là, pour le pass CMA Liberté. Est-ce qu'on a moyen, sur une facture d'abonnement, de pouvoir venir réincrémenter dans la fiche client le chiffre d'affaires facturé, à chaque facture émise et réglée? Vous voulez réincrémenter à partir de où? Ah, c'est-à-dire pour la prochaine facture, dire que vous avez payé tant et Non, 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 vous avez pour que ça déjà payé soit ça? affiché dans le, pour que ce soit affiché dans le chiffre d'affaires, de la fiche entreprise. Oui. Puisque sur un paiement en une fois, on a le chiffre d'affaires qui s'incrémente, qu'on peut incrémenter à la clôture de l'opportunité, mais sur un produit d'abonnement, on ne va pas incrémenter le chiffre d'affaires de l'abonnement annuel, puisqu'on a potentiellement bah, X prélèvement de 19,90 € hors taxes. Oui. Si le client se désengage au bout de 8 mois, comment ça se passe? Comment ça Oui, coûte les alors abonnements? Comment ça. ça, au niveau de la règle, vous dites juste que c'est à partir des factures émises et qui ont été payées que ce chiffre d'affaires sera comptabilisé. Par exemple. Et ça, on a moyen de le faire remonter automatiquement, du coup, à chaque règlement de Oui, facture bien dans le sûr. chiffre d'affaires du compte. Oui. À partir du moment où on dit la facture a été émise et qu'elle a été payée, ça, on peut considérer uniquement cette partie-là et pas le reste des factures qui sont à l'état de brouillon. D'accord. OK, merci beaucoup. Pas de problème. Je t'en prie, Edouard. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avant de passer sur la partie Gonexa? Qui resterait? Non, ça paraît assez calme. Du coup, je vais enchaîner. Merci du coup pour l'introduction et puis pour toutes les informations effectivement qui ont pu être données par Youssef. Effectivement, on renforce de plus en plus notre partenariat avec Sofacto. Déjà historiquement, on se connaît depuis très longtemps dans l'écosystème Salesforce. Et puis là, effectivement, il y a de plus en plus de sens à avoir des synergies entre les deux. Donc c'est vrai qu'on renforce de plus en plus ça et c'était l'occasion d'en parler un petit peu là. Globalement sur le planning là de ce que je vais dérouler, je vais juste partager mon écran aussi pour vous partager deux trois informations. Vous me dites si vous voyez bien mon écran dans un premier temps. C'est C'est bon tout pour prêt. vous? Absolument. Oui. Ouais. Du coup, alors je ne représente pas forcément Gonexa complètement, sauf s'il y avait des besoins, mais vraiment, on est vraiment sur la partie génération de documents et signature électronique. Aujourd'hui, il y a quatre points clés. On va déjà rebalayer un peu ce qui se passe entre Gonexa et les différentes CMA. On va faire un petit retour d'expérience sur, effectivement, CMA Nouvelle-Aquitaine, sur deux cas d'usage qui ont pu être traités. Et voilà, on enchaînera sur. Les dernières innovations, en tout cas ce qui a pu être apporté dans les dernières releases qu'on peut faire, on propose 3 releases par an et une petite démonstration pour finir. Juste sur la partie timing, combien de temps on se donne du coup, Marie, sur cette partie-là? On garde 15 minutes à peu près? 15 ou 20 minutes, ouais, il faut Ouais, laisser c'est ça. aussi le temps pour les questions, Pour les les questions. éventuelles questions. Ouais. N'hésitez pas à m'arrêter aussi en cours de route s'il y a des questions ou des choses qui sont à clarifier, mais en tout cas, je vais essayer de garder ce timing. Du coup, si on fait un petit retour sur les différentes CMA qui ont pu rejoindre Gonexa, donc on a effectivement depuis mai 2023 plusieurs CMA qui ont rejoint, enfin, qui ont choisi Gonexa, avec des cas d'usage qui sont assez variés. On va avoir des cas d'usage autour du devis, de la proposition commerciale. On parlera de la partie aussi feuille d'émargement qui a pu être traitée notamment par du coup, la CMA Nouvelle-Aquitaine, des synthèses d'accompagnement et autres. Bref, ce n'est pas les cas d'usage qui manquent. Ce qu'il faut voir, c'est que du moment qu'on a de la donnée de toute façon dans le CRM et qu'on veut sortir un document, peu importe sa forme, peu importe la façon dont on veut le restituer, effectivement, on peut amener du coup, cette brique-là. Pour ceux qui n'ont pas vu encore Gonexa, nous on va vraiment partir du pack office, hein, donc on va manipuler un Word, un Excel ou un PowerPoint en entrée, c'est ça vraiment qu'on va manipuler au départ pour faire le design, et après on va mettre du coup des balises de génération pour pouvoir dire, bah voilà, une fois que je clique dans Salesforce, ça va me créer un document, et après on décide est-ce qu'on l'envoie juste par mail ou par signature électronique, ça c'est complètement libre, hein, c'est dissocié bien sûr entre la partie génération et signature, voilà. Globalement, on continue aussi à avoir quelques autres discussions avec d'autres CMA. On pourra aussi faire des sessions de restitution un peu plus avancées que celle-là s'il y a besoin. En tout cas, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas si on peut amener aussi un peu de retour d'expérience sur tout ça. En parlant de retour d'expérience, du coup, pour prendre le cas d'usage, effectivement, Nouvelle-Aquitaine, un cas d'usage assez intéressant puisqu'il y avait
Il y a pas mal de choses, hein. Il y a des notions de filtrage, des notions d'affichage dynamique, des choses de l'automatisation aussi. Je vois Lionel, effectivement, qui est présent aussi, avec qui on a pas mal travaillé. Donc, merci encore pour les échanges qu'on a pu avoir. C'était vraiment un plaisir de travailler sur ce sujet-là. En tout cas, c'est le retour que j'ai aussi de Clément, parce que c'est Clément qui a quand même beaucoup travaillé, plus que moi, sur ce sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a des feuilles de margement, du coup, à générer. Il y a deux cas d'usage qui se présentent. Soit c'est une session qui se fait en présentiel, soit c'est en distanciel. Dans la session présentielle, c'est le cas d'usage le plus simple, hein, puisqu'on va juste faire une génération de documents et avoir l'ensemble des participants qui sont bien listés et une signature qui sera posée à la main, du coup, en session directement avec les personnes qui sont présentes. Ça, c'est le cas simple. En distanciel, il y avait des notions autour de la campagne. Donc, il y a eu une gestion, effectivement, pour savoir aussi le statut de chaque participant. Est-ce qu'ils étaient bien présents ou pas présents à la session? Et en fonction de qui est présent dans cette session, on va générer un document avec uniquement les personnes présentes, l'envoyer en signature, et on a une sorte de tour de table qui se fait dynamiquement avec une signature qui se fait apposer par chacune des personnes pour après avoir à la fin un document qui va assembler l'intégralité des signatures. Il y avait à la fois, du coup, la notion des signatures des participants, mais aussi la signature des formateurs, puisqu'il peut y avoir plusieurs formateurs aussi dans le cadre d'une session. Donc, il y avait vraiment deux critères. Dans ces cas-là, on ne connaît pas à l'avance le nombre de signataires, d'ailleurs. C'est bien sûr dynamique. Hein. On va bien capter l'ensemble des emails des participants et des formateurs et envoyer, du coup, des deux côtés cette partie-là. Dans ce cas d'usage, quelles technologies ont pu être utilisées? Donc, il y avait des notions de filtrage qu'on peut faire assez facilement sur qui doit apparaître dans les tableaux et le listing en fait qui est proposé. Et on s'intègre aussi énormément avec les flows Salesforce standard, si ça vous parle, qui est vraiment le système d'automatisation de Salesforce depuis plusieurs années. Et du coup, on s'est vraiment inscrit là-dedans où on peut automatiser la génération, automatiser l'envoi pour signature. Et automatiser aussi le retour. Quand on a un document qui revient signé, on peut automatiser tout un tas de processus qui va être derrière. Deuxième cas d'usage, un cas d'usage aussi autour du suivi de la relation, notamment dans le cadre de l'objectif transmission, si c'est bien les informations que j'ai eues, mais globalement, c'est pour suivre l'historique des rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui sont faits tout au long de l'année pour capter effectivement en gros ce qui a pu être fait pendant ces rendez-vous-là. Et l'idée, c'était de pouvoir non seulement au fur et à mesure des rendez-vous avoir l'historique de ce qui s'est passé dans le passé et donc avoir l'historique des signatures et de savoir quand est-ce que ça a été signé et par qui, et de pouvoir avoir un cadre assez fluide entre le premier rendez-vous, le deuxième rendez-vous et autres. Donc effectivement, ce qui est un peu atypique, c'est qu'on va au fur et à mesure non seulement faire signer, mais historiser dans le même document, dans un nouveau document, les différents rendez-vous passés. Et donc là, on a dû faire appel à des conditions d'affichage. Donc, c'est une des fonctionnalités clés de Gonexa sur un critère en fait qui est dans Salesforce, par exemple une case qui est cochée. On peut décider d'afficher ou de masquer une information. Donc, c'est très utile pour faire des choses dynamiques, le cas d'usage qu'on retrouve beaucoup. Ça va être, par exemple, des CGV. On a un paragraphe légal qui va se masquer ou s'afficher en fonction d'un critère Salesforce. Une sélection d'un produit, je veux avoir l'annexe dynamiquement du produit en question qui va être mis à la fin du document. Bref, on peut mettre des choses vraiment dynamiques dans cette partie. Je le cite aussi, on était sur un objet personnalisé, il me semble bien, Lionel, hein, sur la partie mission, qui est un objet différent des objets standards de Salesforce. Donc, on peut à la fois prendre de l'information qui est sur tout le standard Salesforce, mais aussi le faire sur la partie complètement personnalisée. Sur ces deux retours d'expérience, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce que ça évoque des choses? En tout cas, voilà pour ça, n'hésitez pas s'il y a des questions sur ces deux éléments. Marie, je ne sais pas s'il y a des mains levées aussi. Je te laisse me faire signe. Hein. Pour ouais, l'instant, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas, ok, parfait. Dernières releases. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire, nous, pendant les trois dernières releases? Donc, on a bien ces trois mises à jour qui sont bien incluses dans le prix mis à disposition. C'est à votre main pour dire est-ce que oui ou non, je veux passer cette nouvelle version. On n'a pas le droit, avec Salesforce, de pousser comme ça par défaut
des nouvelles versions dans l'écosystème AppExchange. Donc, c'est vraiment un choix à faire et dire, bah, ces fonctionnalités-là, elles m'intéressent, je vais pouvoir mettre à jour. Le processus de mise à jour est très simple. On retourne sur l'AppExchange, on fait comme si on l'installait, mais en fait, ça va mettre à jour le package du coup directement dans son environnement. Pour les reconnaître, on donne un nom de ville à chacune de ces releases pour que ça soit plus simple et plus sympathique pour tout le monde d'avoir des noms de release. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à défendre vos villes quand on essaye de lancer le concours pour la prochaine nomination. Donc, dans les innovations qu'il y a, une des grosses parties, c'était de dire on a une base de connaissances et une formation aussi qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus complète. Donc, on investit beaucoup sur Gonexa University, qui est notre base de connaissances complètes. Donc, on va retrouver de la formation hein, pour se former à comment installer, comment utiliser les produits Gonexa. On a une partie support, donc avec la base de connaissances, les articles, soit des bugs connus, soit des choses qui permettent de savoir comment utiliser les solutions et quand on a un souci. Bien sûr, l'accès au support et toute la partie formation ou autres ressources qui sont intéressantes pour accélérer l'intégration. Donc, dans les nouveautés, l'assistant Gonexa, qui était un des grosses parties, qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus rapide, qui est vraiment l'endroit quand on va construire un modèle, on va pouvoir du coup avoir cet assistant sur le côté qui permet d'aller dans les champs en fait, de votre plateforme, de savoir quelle balise dynamique je vais utiliser. Est-ce que je prends le nom du compte? Est-ce que je prends le nom du participant et autres? Donc, on a vraiment amélioré pas mal de choses. On a fait aussi des améliorations sur, par exemple, l'adresse. Hein. Quand vous tapez en fait, dans cette barre l'adresse, on vient concaténer, par exemple, la rue, la ville, le code postal et le pays. Ça paraît rien, mais en fait, Salesforce va décomposer ces champs-là dans sa plateforme. Et donc, nous, on a fait aussi des choses pour simplifier ça. La notion de formatage aussi était importante pour pouvoir dire, on a une date, on veut la formater avec vraiment le mois en toutes lettres et pas juste en nombre. Donc, c'est tous ces avantages et ces évolutions qu'on peut faire là-dessus. Sur la partie sign, un des éléments qui a bougé, c'est le nombre de signataires dynamiques, de se dire vraiment, on ne connaît pas à l'avance le nombre de signataires qu'on peut avoir. Donc, c'était une des releases qu'on a pu faire il y a quelques temps déjà, qui a été aussi illustrée dans le cas de Nouvelle-Aquitaine. Hein. C'était des choses qui étaient nécessaires pour pouvoir faire l'intégration. Donc, voilà, on fait vivre aussi cette roadmap-là, basée sur soit des demandes qu'on peut avoir, soit sur des fonctionnalités qui peuvent nous paraître intéressantes. Et on peut aussi maintenant télécharger le dossier de preuve depuis Salesforce avant, en cas de procès ou autre, vous avez besoin d'un dossier de preuve pour le dossier signé, il fallait effectivement nous faire une demande via le support. Là, on l'a carrément rendu automatique et disponible dans votre Salesforce. Sur la partie doc, on a quoi? On a beaucoup travaillé aussi avec les chiens guides d'aveugles notamment, qui nous ont aidés pour faire des documents accessibles. Hein. Ça paraît indispensable de pouvoir aussi avoir des documents qui sont lisibles pour n'importe qui. Donc, on a des normes qui ont pu être développées et dire bah, n'importe quel document va pouvoir être lisible par notamment des systèmes que les malvoyants peuvent avoir pour parcourir des documents PDF et les aider en fait pour aller vite dans la lecture de ces documents-là. Et également, on a rendu pas mal de nouveaux modèles de documents et d'emails qui permettent d'accélérer l'intégration pour ne pas partir de zéro dans du design et des éléments, mais vraiment de partir d'un modèle qui est prêt. Et la nouveauté là qui est toute fraîche puisque ça date de cette semaine, on a lancé ce qu'on appelle l'app, qui est une sorte de voilà d'un portail client qui permettra de faciliter l'installation, de gérer tous les environnements. Donc quand vous avez un environnement de sandbox, un environnement de production, vous avez des modèles d'un côté et de l'autre, vous allez pouvoir les déplacer beaucoup plus facilement. Donc ça accélère l'intégration, ça facilite aussi puisque autant dans du Salesforce, on va être sur de la métadonnée, donc on va utiliser des outils pour déployer de la métadonnée. Dans le cas de Gonexa, en fait, la configuration, c'est de la donnée et des fichiers. On a bien le Word qui est dans un environnement. Donc là, on va avoir un outil qui permet de les déployer correctement d'un environnement A à un environnement B. Voilà. Et on met aussi dans ce portail-là le suivi des consommations, des factures et autres, tout ce qu'on pourrait s'attendre sur un outil de ce style-là. Voilà sur les innovations, etc. J'essaie de rester le plus concis possible. Il y a des release notes qui sont beaucoup plus larges que ça. Là, j'ai fait une petite sélection des choses qui me paraissaient intéressantes. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, en tout cas,
d'aller les voir. Sur le cas de la démonstration, je voulais montrer et faire un petit clin d'œil aussi côté CMA Nouvelle-Aquitaine, puisque j'ai repris dans une instance de démonstration qui est la mienne, hein, on n'est pas sur les instances Nouvelle-Aquitaine, mais de revoir un peu comment ça se passe sur la partie génération et signature. Donc là, en fait, je suis dans un objet complètement personnalisé avec des informations qui sont personnalisées ici. J'ai des participants que j'ai pu ajouter avec leur société et les différents emails qui sont derrière. Donc Gonexa, nous, on intervient sur avec la possibilité de générer. Donc on a ce composant-là qui permet de le faire, hein, qui est un composant standard qui va détecter les modèles, mais on peut aussi très bien le faire dans des flux. Donc la génération, elle se passe instantanément. On a bien du coup, l'utilisation du modèle qui va être fait. On a une prévisualisation qui peut être faite directement dans Salesforce. Et après, comme je l'expliquais, on peut avoir soit on envoie par email quand le cas d'usage s'y prête, soit on a d'autres façons de faire, notamment la signature électronique. Alors là, c'est bien un exemple d'intégration. On a la possibilité de faire plein d'autres choses, de faire des vérifications, de peut-être dire on met à jour aussi des emails à cet endroit-là, mais globalement, là, je vais envoyer l'intégralité des participants et du coup, le faire directement depuis Salesforce dans ce cas-là. Pour la démonstration, j'ai utilisé des adresses mail du coup, qui vont retomber un peu au même endroit. Il y en a deux ici et une sur une adresse personnelle, mais globalement, chaque email est personnalisé avec le prénom, le nom de la personne dans ce cas-là. Donc là, on retombe sur du standard Salesforce et on va pouvoir être basculé dans des environnements de signature qui sont bien sûr sécurisés et qui vont permettre d'apposer la signature à chaque fois. D'accord. Donc la démonstration... Je ne vais pas vous faire l'intégralité des signatures, mais c'est que vraiment tout le monde va recevoir cette partie-là. On a bien une confirmation qui est faite par donc soit SMS, soit d'ailleurs par email. D'accord? Donc il y a plusieurs façons de double authentifier les signatures. Voilà pour cette partie-là. Si je vous montre juste quand on a. Tac. Donc si Jean Blanc signe après Isabelle, vous voyez qu'on a aussi l'historique de qui a signé, et ça va s'afficher au fur et à mesure en fonction de qui l'a signé, qui va compléter ce document-là. En termes de timing, je suis comment, Marie? Est-ce que je encore quelques... Tu es parfait. Je suis pas trop mal, ça va? Ouais, est-ce que je m'arrête là ou une dernière partie de démonstration, c'est une construction de modèle de zéro, si j'ai encore un peu de temps, sinon je m'arrête ici. C'est à toi de me dire. Encore quelques minutes. Pour quelques minutes. Okay, parfait. Donc là, le cas d'usage, donc là, on était en mode utilisateur, on va dire, de Gonexa. Si on fait un cas d'usage plutôt administrateur, donc là, je change de casquette, hein, ce n'est pas pour tout le monde ce que je vais vous montrer maintenant. Là, je vais vraiment créer un nouveau modèle avec vous là. Donc dans les modèles Gonexa, on a différentes typologies, soit un principal, soit associé aux traductions. Associé, c'est notamment pour des annexes et traductions, bah, comme son nom l'indique, c'est pour traduire les modèles. De base. On va faire une deuxième version de la feuille d'émargement. On peut maîtriser effectivement la création, est-ce qu'on veut créer un fichier, est-ce qu'on veut supprimer, remplacer et autres. On a aussi la main sur les formats de sortie qui sont autorisés, si je veux bloquer la génération dans un format qui ne plairait pas ici. Une fois qu'on est là, du coup, on va pouvoir choisir l'endroit dans lequel on veut. Donc là, si on veut refaire sur les sessions de formation, je vais pouvoir choisir mon objet session de formation ici. Et on va me demander de choisir un nom de fichier, puisqu'on va créer des fichiers. C'est pour ça qu'on va pouvoir du coup nommer le fichier de la manière dont on veut. Ici, je vais prendre comme préfixe, je vais marquer feuille d'émargement et je vais prendre le nom de la formation dynamiquement à chaque fois. La seule chose qui va me manquer là-dedans, ça va être du coup des participants dans cette session de formation. Donc, je vais aller chercher ici dans une sorte de tableau, en fait, hein, les participants à la session. Et ça me permet d'avoir d'un côté mes participants et de l'autre côté la liste des participants dans ce modèle-là. Une fois que j'ai fait ça, je vais être vraiment sur un document Word hein, classique et je vais créer mon modèle de document. Il y a toute une partie qui va être statique, hein, qui va être vraiment le nom qu'on va donner. Donc, au terme de design, on va être assez simple pour aujourd'hui, mais globalement, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et ce que je citais tout à l'heure sur l'assistant, c'est cette
capacité d'aller chercher. Tac. Alors, cette erreur-là, elle est notamment due au fait que j'ai deux environnements Salesforce connectés. Le dernier environnement auquel je me suis connecté, c'était pas celui-là. Donc, je vais simplement me reconnecter à cet environnement-là, rapidement. Tac. Jamais masquer une erreur quand on a fait une démonstration, toujours l'assumer à fond. On a appris ça et de répliquer ça. Donc, feuille d'émargement, et je vais ouvrir mon assistant ici. Et donc, c'est ça qu'on veut voir. Tac. Donc là, j'ai mes deux objets qui sont ici. Et je vais pouvoir tout simplement aller ajouter les informations. Donc, si je veux, dans la session de formation, aller chercher le nom de la formation, je vais avoir ici qu'à copier, en fait, cliquer sur cette balise-là. Et de ce côté ici, je vais coller. Et ça va me faire ma balise, en fait, qui me permet d'aller récupérer l'information directement. Tout le reste du travail, ça va vraiment être de la mise en page et la suite. Vous la connaissez là-dessus. Pour ce qui est des participants, on fait un tableau avec son nom, je pense peut-être un téléphone et un email. Et donc, du coup, on va avoir qu'à mettre une seule balise. Hein. Je n'ai pas besoin de mettre autre chose que une seule ligne ici. Et s'il y a trois participants, on va faire autant de lignes que ce qu'il y a de participants dans cette partie-là. Téléphone et email. Et si j'ai un email sur. OK. Une fois que j'ai fait ça, on va faire feuille d'émargement test. Hop, on va mettre là. Donc, une fois que j'ai fait ma feuille d'émargement, je retourne du coup dans mon administration Connexa et je vais pouvoir y ajouter un nouveau modèle. Et donc là, je vais en fait l'envoyer. Ça va nous faire un scan en fait des balises, savoir est-ce que toutes les balises sont bien reconnues et tout est bien aux normes. Donc là, ça paraît effectivement bien. Et je vais pouvoir aussi tester avec une session. Donc on va voir laquelle j'ai pris, s'il y avait des participants ou pas. Ouais. Donc là, c'était bien mangé, c'était le début du bonheur et j'ai mes deux participants qui sont là. Donc là, mon document, il est bien disponible. Et maintenant, si je retourne dans ma session de formation. Là, maintenant, vous voyez qu'il y a deux choix. J'avais deux modèles, donc j'ai deux choix que je peux faire. Et là, si j'utilise celui-là, je vais pouvoir du coup l'avoir ici. OK? Voilà pour la partie démonstration.